Vraiment, j'ai pas regardé mes séries. C'est quoi cette vie que j'ai même là maintenant? Voici mes boucles qui. Je dois même faire ces boucles aussi. Donc, vous voulez dire que voici une semaine qui vient de passer, pas regarder mes séries à cause du Japon des Camerounais. Je suis en train de regarder le maire de Kingston que j'ai négligé là depuis, mais la série là, elle n'est pas mauvaise. Hein? Mayor of Kingston, c'est ça non? C'est ça même. Je pense que c'est ça. C'est sur Paramount. Je ne sais même plus où c'est. Moi, j'appuie seulement. C'est sur quoi? C'est sur Paramount. Ou bien c'est sur... C'est sur Prime. C'est sur Paramount. J'ai des... Moi-même, ces jours-ci, je ne suis pas fixée. Hein. J'ai des séries en suspens. Hein. Ah, puta. Ah, puta, puta. J'ai des séries en suspens. C'est ça alors que c'est où? Ah, Mayor of Kingston. C'est sur Prime. J'ai pas vu ça sur Paramount. Bon, bref. Oui, fin de semaine. Eh, hey, Seigneur. Une semaine qui s'achève, une autre qui recommence avec les mêmes travers. Moi, je parle seulement parce que j'ai encore espoir que chacun allume son cerveau au niveau du rez-de-chaussée, ne serait-ce que ça. Hein? Quelque part, en moi, je sais aussi que c'est désespéré. C'est par acquis de conscience, vraiment. Par acquis de conscience. Vous savez, ce qui me fait sourire, c'est que quand ça n'arrange pas les Camerounais, ils disent que c'est du fake. Quand ça les arrange, ils prennent, ils mettent ça au-dessus du panier. Vous voyez, les postes avec, ou des courriers, ou je ne sais pas quoi, avec FIFA écrit dessus, là. Il y en a qui ont dit ici que c'est la fabrication de l'église de Tchinga. Mais quand c'est censé venir, quand c'est censé les arranger, pour eux c'est authentique. Avec le même FIFA. Oui, oui, avec le même logo de la FIFA. Donc mes frères, est-ce que vous pouvez nous... Pourquoi vous, comment se fait-il que vous vouliez que nous autres ne pensions pas que c'est l'acharnement gratuit même? On s'acharne quand on pense que la personne... Il y a des preuves irréfutables pour te condamner. Coucou Christina. Mais j'ai assis là. Je ne fais que vous dire que le Sertai Andop, c'est pas une option, ma. Parce que la personne qui va déposer l'argent sur mon PayPal, ça. Et est-ce que c'est l'option? Ma, je te dis que ce n'est plus au niveau de l'option. Parce qu'il y a des personnes qui disent, je prends, j'ai à déposer l'argent sur ton PayPal. Vous connaissez mon PayPal, non? Ah non, non, là, franchement, la mère, je n'ai pas deux exemplaires. Ton option, là, doit être ferme. Oui, Ashwa Makanda. Ça doit être ferme. Parce que j'emballe seulement. Je mets dans le... je disais donc, quelle taille? C'est cette taille, non? Donc, ça se règle, la main. Ça se règle. Si tu veux, je te... Voilà ce que je vais faire. Tu vas mettre un ruban chez toi. Je vais te donner le tout. D'ailleurs, là, 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 là. Je t'ai même censé sortir le mètre. Je vais te donner la taille, la circonférence exacte. Tu te mesures. Si tu vois qu'il y a trop de delta derrière... Mais en même temps, le delta, c'est un certain, et donc c'est censé être, c'est lassé. Tcharap, 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 c'est lassé. Bonjour, Bibiche. Ta commande, hé, hey, c'est toi que je cherchais, même. Donc c'est ta commande. Celle qui vaut cette tête-là. Moi, vous avez dit que je suis aveugle, sourde et tout. Maman, voici ton carton ici. Et ça part, c'est sur la côte ouest. Ça va sur la côte ouest, non, est. En Virginie, non. Hé la mère, rassure-moi. Pardon, pardon, baisse vite mon cœur. Ça va en Virginie, non. C'est pas ça. C'est ça. Moi, vous avez dit qu'on n'associe même pas. Donc là, ma mémoire est en train d'être effacée. Au fur et à mesure, n'associe pas les noms et les faux profils des gens ici. C'est toi ça. Hein? Tu vois que moi, c'est pas la première fois que tu commandes, même, je pense. Hein? Ah mince. C'est toi. Rien pas associé, n'associe rien. Hein? Pardon, dis-moi. Je sais qu'il y a un qui va aux États-Unis. Voilà ça qui est prêt. Il doit poster demain. Il y a même un petit cadeau dedans, mais je ne dévoile pas les surprises. Pardon, ma, pardon, dis-moi vite. Que je n'ai pas une commande que j'ai forget quelque part. Il y a ma Niki, c'est prêt. Et il y a la... Pardon, pardon, baisse mon cœur.
Bonjour Nico. Pardon, dis-moi vite eBay. Ne me dis pas qu'elle a perdu un autre colis. Hein. Parce qu'il y a un là qui est dans la nature. Pardon. Oui, oui, tu m'as fait peur que j'avais une commande, une de tes commandes. Non, c'est pour ça que je suis en train de dire. Christina, tu as vu que vous êtes deux sur le 7 ailleurs. Donc, la première personne qui baille. Ok, tu es passé dans l'IB. Ah, je vais regarder là, non. Si c'est ma peau ou bien c'est toi. Ah non, non, ce coup-là, moi, je ne peux pas combiner. Eh ben, ma peau, t'as perdu. Ma peau, tu as perdu. Ah ben, c'est comme ça. Hein? Eh ben, c'est bon. C'est parti. Et vous avez dit qu'il y a des rapides ici. Hein? Moi, je connais les rapides. Donc, pendant que vous êtes en train de faire, les gens, eux, ils ont le yaba jusqu'à s'emmêler. Je t'en pose des questions, moi. Je t'en donne des réponses. Mais tu hurles là-bas. Fais bisous à ta mère. Oh, qu'est-ce qui t'arrive encore? Je suis malheureuse comme les pierres. Oh, bichette. Maman, c'est le seul. J'ai pas peur de faire des bisous. Pas tes. Pardon, donne-moi mon coca là. Laisse-moi tes histoires. Aïe. Aïe. Ne tu pas la crise. J'avais même pas touché. Si tes ongles m'ont touché, Lulu. Non, maman, tu mens. Deux secondes avant, j'avais même non, mais sérieux. Ça fait deux aïe. Le premier aïe, il servait à rien. J'avais même pas touché. Oui, j'avais vu. J'ai vu, ma. J'ai vu. La crise. Oh, je rêve. Non, non, c'est mort. Il y en a qui ne tardent pas. Maman, je sais que le collier, alors, Ouma, il y a le collier qui va avec. Je vais à peine toucher la matière. Bon, bref, j'en étais où? Oui, oui, mais ça se bouscule, non, les gens qui ont vu ton option. Mais elle dit que l'option ne tient pas dans ce moment-là. Donc, maintenant que c'est bien payé, donc là, c'est mort. Si c'était encore l'option, et pour ça qu'elle dit que les options ne marchent pas ici. C'est que ça te plaît, tu go, tu bailles. Les options ne marchent pas, voilà. Quand c'est un seul exemplaire. Je ne sais pas où le collier marche. Je te dis que j'ai des choses ici comme ça. Je ne sais pas où le collier. Si elle trouve, elle t'envoie, non. C'est que toi et moi, là, tu es une de mes plus grandes clientes, donc. Hein? Si tu prends le bas, tu veux qu'elle garde le haut pour faire quoi avec? Je mets seulement ça dedans. Mais je sais alors que c'est où. Attendez un peu, je vous montre la photo. Là, j'ai même publié la photo, non. Laissez-moi la mère, je suis ici pour parler de nous, des choses qui font mal à notre nation. Ah, je ne sais pas où. Il y a trop de choses dans cette maison, c'est pour cela qu'il faut que je m'en débarrasse. Il n'y a pas d'option, les mères. Quand ça te plaît, tu vas seulement à la boutique, un tour. Maintenant, elle me retrouve avec les bagarrements, elle va leur faire comment? Il y aura de nouvelles créations. Tu vas trouver. Et je ne sais pas. Je sais pas où c'est. J'ai publié ça avec. C'est comme la ceinture, si je sais alors qu'elle est où. Bon, celle-ci, je sais que elle était partie. La robe, la version aussi, voilà. Celle-ci, elle était partie. C'est celle-ci qui était partie, ou bien c'est la copine avec du blanc. J'en sais rien. Bon, bref. Ah, je n'ai même pas mis. Ah, c'est comme cette ceinture. Je ne sais pas où elle est. Ah, maintenant je me rappelle où elle est. Ouais, cette ceinture-ci. Ça là. Ainsi, on paye. On passe à l'accueil. Vouloir, c'est passer à l'accueil. Vous voyez ça là. Maintenant que j'en parle, je sais où c'est. Peut-être que le collier là se trouve au même endroit. Parce que la ceinture-ci. Oh purée. Attendez, j'arrive. Ne partez pas, hein. Bon. Ma mémoire vient. Mon cerveau vient de s'allumer. Moi-même j'ai des caches ici, hein. Y a Karine. Attendez, pardon, j'ai une mini, désolé.
Moi, j'ai les caches ici. Hein. Waouh! Vous voyez notre caisse dans les débarras. Maintenant, est-ce que le collier là est dedans? Vous voyez les colliers? Ouais, ça va, Bédé Loali. Voilà! Je ne savais plus où était ma ceinture. Voilà, vous voyez comment les choses sont éparpillées ici. Voici la ceinture. Ouf! Ouf! Heureusement que. Voici la ceinture. Donc, je vais porter moi-même. Les choses de la vie. Lulu! Lulu! S'il te plaît. S'il te plaît. Boutonnez ici, s'il vous plaît. Ferme-moi ça. Faut que je fasse ma belle. Ouais, bah, je sens. On va me rappeler. Oh là là, au secours. Attendez, mais je suis pas apprêtée. Non, non, regarde, on te voit pas. Putain, on te voit pas. J'ai fait tomber la caméra, on me voit pas. Qu'est-ce que... Aïe! Ça va te faire mal, hein. Tu peux pas le faire toute seule. Aïe, j'ai peur de te faire mal. Mais non, pourquoi tu veux que ça fasse mal? Donc voilà, j'ai retrouvé, grâce à Christina, j'ai retrouvé mon collier. Shalom. Ah, quand tu as d'abord vu ça, je veux que le jeu veut se payer. Mais là, là, mais ça, là. Oui, tu as fermé tout, tu as tout fermé. Non, mais attends. Comment ça appuie en haut? Tiens, la star. Donc, regardez. Bon, mais moi, je suis grosse. Hein. Je pars du principe que vous êtes encore slim. Bon, bon, on voit les soutifs, mais bon, c'est l'été. Alors, vous voyez. Tu mets ça sur une robe comme ça. Tiens. Tiens. Quand j'étais encore moi-même, eh, vraiment, j'avais 66 de tour de taille. Tout ça là. Ah, ça donne, hein. Regardez comment je suis. Oh, purée, la vie. La vie, la vie, la vie. Bon, allez. Ne nous faisons pas trop souffrir. Hein? Hein? Voilà. Ouh, vous avez entendu comment j'enlève. C'est pareil, hein. Aimanté, vous appuyez comme ça, tchaka. Tu fais quelle taille, ma peau? Tu fais quelle taille? Et le collier est où? Je sais que c'est où. Tu vois comment je suis allé le creuser dans ma tête pour savoir où c'est. Sinon, il peut retrouver ça même dans 2 ans. Oui, oui, même dans 2 ans, il peut retrouver. Je t'ai dit que si elle retrouve le collier, je le mets. Il n'y a même aucun. Il n'y a pas de lézard, comme dirait quelqu'un. Attends, là, j'ai cherché quelque chose. Parce que dans ma mémoire, est-ce que c'est celui-ci? Je fais taille 42. Bon, si ça me va, ça peut aller. Alors. Bon, moi, je suis venu faire mon direct. Si vous avez ramené le commerce, hein. On est pas bien. Ben voilà. Hein, Christina? Ben voilà. Si elle appelle encore ma fille là, il va me faire jeter. Voilà. Bon, j'ai pas fermé le collier. Attendez que je baisse d'abord quand même ma robe là. Je n'avais pas fini l'effet salaire. Je vous ai dit, ça devient grave. Quand j'étais encore moi-même, il faut que je me remette au sport. Hein. Je peux être mon propre mannequin.
Bon. Ma peau dépose 100. Tu emballes ça, renvoie demain. Je brade seulement, hein, donc vraiment ne revenez pas une deuxième fois. Ce sont les plus chanceux qui auront. Parce qu'un jour, je serai président de la République, je serai célèbre. Non, il faut qu'elle maigrisse les mains. Hush. Il faut qu'elle maigrisse, ma ça. Hey, mes propres choses, je ne peux plus entrer dedans. J'étais comme vous voyez ma fille, ma première fille là. J'avais 66 de tour de taille. Oh putain. La vie est injuste, hein. Hein? Ça déjà grave, n'est-ce pas? Hein? Ça déjà grave. Quand j'étais encore moi-même. C'est pour cela qu'il faut que je me motive. Motivez-moi à recommencer la couture. Bon, ma Christina, c'est bon. J'emballe les deux. Hmm? J'emballe les deux. Le temps de vérifier deux, trois trucs. Comme je suis maniaque, de trouver le lacet qui va avec. Et je l'envoie. Au plus tôt. D'accord? Le temps de, tu vois, plier là-dedans. Parce que c'était les trucs d'expo, vraiment. Donc, comme là-dedans, il faut que je fasse la propreté ici. Sinon, je suis prêt. Épouse Bam se sort d'où ici? Ah, on paye où? Oh, ben, PayPal, hein? PayPal, PayPal, PayPal. Donc, ma Christina, c'est bon. Robe bleue, robe noire, même robe rouge. Hein? Ça sort. Tu veux même tout gâter une fois, tu rajoutes encore les bracelets. Oh putain. Oh putain. Comme je l'os, je que là même. Si je trouve un bracelet qui va avec le tissu. Et je suis en train de vraiment faire partie de tout mon stock. Hein? Je fais comme ça vraiment. Je suis une mauvaise commerçante. Me voici en train de vendre le capital. Parce que je vois déjà quelqu'un en train de porter ça jusqu'à peu dire qu'on rachète même le bracelet en bas. Eh Seigneur. Bon. Bon. Ma Christina, c'est bon, c'est réglé. PayPal. Mon PayPal ici. Vous pouvez m'aller déposer un cadeau là-bas. C'est comment? Motivez-moi. Allez bien me reposer. Voici le PayPal. Motivez-moi bien. Allez me reposer. Eh Dieu, ma Christina. Moi-même, je parle trop. Je dis, si y a un, je suis en train de vider mes placards, non. Si, tu sais qu'il y a plusieurs, je t'avais dit qu'il y avait plusieurs coloris de ndop, non. Ça, c'est celui qui est clair. Parce qu'il y a le ndop qui est français. Comme, non, ça, c'est pas le... Du moins, le motif du ndop, là, que si qu'elle m'avait travaillé, qui est plus français. Je te l'avais dit, non, comme là, voilà, il y a même un collier qui n'est pas loin. Donc, tu vois ça, là, c'est plus... Regarde la différence. Donc, si je trouve un collier qui est fait avec ça, bah, écoute, je suis en train de vider les armoires, non. Donc, celle qui commande aujourd'hui auront seulement des cadeaux. C'est ça qui est ça. Ma Christina, elle remporte même la timbale. Mmh. Hein, ma Christina, c'est ma grande co ici. Hein. Vraiment, un de mes plus grands soutiens. Donc, voilà le PayPal. Allez déposer l'argent là-bas. Il n'y a pas de haut. Oh, demain, après-demain. Si je trouve le bracelet, sont vraiment les fonds de... Je mets ça dans des caisses. Comme vous voyez, cette caisse-là. Il y a plusieurs tailles, mais dans les caisses. Donc, quand il reste deux, trois trucs, il n'y a plus de boucles, les boucles sont parties, le bracelet, le collier est parti. Vous voulez que je fasse quoi avec? J'ai envie de changer le tissu, disons. Assieri. Non, Lili Sagi. Donc, si quelque chose vous intéresse, surtout les grosses pièces-là, hein, vraiment, je ne vais pas encore m'amuser à dire que je vais vous faire le vêtement. Mais les grosses pièces là, non. J'ai envie de retravailler d'autres motifs à la rentrée là. Il n'y a pas d'option, voilà et bilai. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'option. Quand ça, ils sont intéressés, eux, ils déposent seulement l'argent. Donc, ça vous fait perdre votre temps quand vous dites que option. Il n'y a pas d'option. Ma Christina connaît déjà. Elle connaît déjà la route. Donc, il y a même des trucs ici que je ne montre même plus. Parce que je trouve que ce sont de très, très petites pièces. Et que voilà, comme ça là. Moi-même là, un jour là, il me gâte avec. C'est comme mon tour du coup, si. Vous voyez, celui-là, je ne le tourne pas. C'est devenu pour moi. Inspiré de Black Panthers. Mais j'aimerais refaire d'autres. C'est pour ça que je losse, je que. Ma losse, ma queue. Là, c'est tellement emballé de partout. Je vous dis, voici encore d'autres que je viens de trouver ici. C'est comment avec moi, non? C'est là, on m'a gâté au village. Oh putain. On m'a gâté au village.
Oh, bon, ça c'est ancien, hein. Ça va avec une robe là. Ça va avec une robe. Bon, les manchettes comme ça, va. Ça c'est une autre période ça. Hein. Oh, putain. Bon, bref. Il y a même le petit, vous voyez le collier qui va avec le bustier brodé là. Vraiment, je m'en souvenais même plus. C'est quand je vois les trucs du défilé là que je dis que ou bien du shooting photo, ça va avec. Donc vous voyez, je vous envoie ça avec. Oh merde, du coup ce n'est plus une surprise. Oh. Donc ça aurait été la surprise, ben bon, qui n'est plus surprise. Donc regardez, pour celles qui n'étaient pas là. Oh, Karine, Karine. Je vous dis que j'ai à un moment là, je ne dormais pas. À un moment, j'étais assise à Gen 4. Regardez. Ça va, c'est le petit collier qui va avec mon énorme bustier. Donc, ça l'aide la surprise. C'est bien que Christina m'ait envoyé là-bas. Donc, voilà, regardez. Et je laisse ça. C'est quoi, 250 ou 200, je ne sais plus. C'est combien les filles, dites-moi. Non, 200. Le travail, si. Non, mais les gars. Donc, il n'y a pas d'option dans ça. Et c'est brodé, hein, c'est la broderie, là. C'est le même système que le corset, là. Et c'est la broderie. C'est la broderie. Bon, bref, la famille, j'ai oublié le sujet. Je venais dire ici à mes frères et sœurs que si c'est qu'on nous a seulement gâtés au village, allons-y. Hmm? Si c'est qu'on nous a seulement gâtés au village, allons-y. Donc là, il y a celui-ci, 36. Hmm? Vraiment, il faut être comme celle-ci là. 36, raffia. Avec des perles et les comment on appelle, des cuvettes dessus. Il y a celui-ci là, raffia, pure raffia. Il y a la jupe, il y a ça là, qui est en vente aussi. Mais la jupe, le tissu là se froisse très vite. Hein? Mais voilà, il y a celui-là. Mais tout ce que j'ai mis en photo là est toujours disponible. Si vous avez une petite tine là. Jupe taille 36. Ouais. Ma lance ma queue. Bon, là, celle-ci, je ne pense plus l'avoir. Je pense que la fille, elle l'avait même gardée. Je pense que celle-là, elle l'avait gardée. Je la lui avais laissée. Je suis en direct. Ah oui, je suis en direct. Oh. Donc, je vais publier les photos que j'ai. Tu m'as envoyé où? Oh, la ceinture, c'est taille. Ok, nickel. L'adresse, s'il te plaît. Est-ce que tu peux déposer l'adresse, s'il te plaît? Quand c'est comme ça, le PayPal, mettez votre adresse. Oui, oui. Quand c'est comme ça, mettez votre adresse sur le PayPal. S'il te plaît, envoie-moi ton adresse eBay. Je vous ai dit que je me garde. Même si c'est là, moi, je ne vais même plus chercher. Je vous dis que dans mon cerveau aussi, les personnes ici avaient leur nom. Je n'associe pas son nom que vous me donnez où je dois expédier. C'est une discipline. Donc, là, j'efface la mémoire. C'est automatique. Quand je vais envoyer, j'oublie même le profil Facebook qui m'a. Non. Elle a dit que le jour où on me tient égo seul, même si tu me donnes le sérum de vérité, rien ne sort. Parce que dans ma tête, là, c'est le désordre organisé. Hein? Donc, ma dépose, c'est mon adresse. Je sais que tu as commandé, mais je ne peux même pas te dire dans quel coin tu es. Parce que le profil me dit quelque chose, mais alors associer le nom. Le vert, non. Le vert, si. On est d'accord, non. Le vert. Oui, le vert. On est d'accord. Tout à fait en accord. Tout à fait en accord. Là, c'est encore bon. Vous n'êtes pas, vous bousculez pas encore. Ou vous précisez, hein, précisez quand même. Hmm? Envoyez la photo avec votre adresse. Capture l'écran, photo et votre adresse. Et le paiement. Ça va de soi. Donc voilà, voilà la famille. Motivez-moi à me remettre au travail. Je disais donc que ce que moi je suis en train de voir là, oh oh,
Si vous avez décidé de tout gâter, dites-nous seulement comme ça, nous autres, sinon on va seulement s'asseoir à côté de Pam Basamo, Pam Moyo, on attend la fin des matchs. On ne se dérange plus à vouloir colmater les brèches. D'accord. Très avant l'ère du... Coucou, homonyme, comment vas-tu Karine? Avant les bas Facebook et tout ça, les gars de Yaoundé détruisaient, ils se détruisaient entre eux là-bas, ils s'entre-détruisaient, nous n'étions pas au courant, nous n'y participions pas, Aujourd'hui, nous avons décidé de participer à la chose. Est-ce que nous sommes prêts à assumer? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce que nous sommes prêts à assumer? Est-ce que nous sommes prêts à assumer? Si vous voulez taper, je redis ici, si vous voulez taper sur Eto, vous acharnez de cette façon. Taper, c'est une chose, mais vous acharnez sur Eto. On doit s'acharner sur tout le monde. Je dis tout le monde sans exception. Parce que ça, là, ça nous prépare à un déchirement. Mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent se noyer que de reconnaître que là, hein, c'est, je ne sais pas comment qualifier ça. Et je vous ai dit que c'est partout. Il n'y a pas de Camerounais de gauche et Camerounais de droite. C'est partout pareil. Que ce soit dans les quartiers ou que ce soit dans les Hautes-Serres. Hein? Des personnes qui organisent. Mais c'est comme ça que ces personnes-là aussi, demain, vont être bâchées. Demain, là, ne vous en faites pas les gongos et tout ça. Hein? Le même peuple-là va agir de la même façon demain. Face à vous. Le même peuple qui vous accompagne aujourd'hui, là. D'accord. Et ce que moi je dis, c'est que nous sommes à l'aube de ce que nous pensons pouvoir changer les choses au Cameroun. Le prochain virage là n'était pas censé être le virage du changement, de la renaissance du Cameroun. Non, sérieux, soyons sérieux. Et nous ne sommes pas censés faire tout ça ensemble. Comment vous voulez la renaissance en vous créant autant d'inimitié sans aucune preuve? Moi, maintenant, du coup, j'ai peur de tous ces lanceurs d'alerte-là. Je vous dis, quand je dis peur, quand vous déposez maintenant, je ne regarde même plus. Parce que je me pose la question de savoir si, depuis toujours, on ne vous utilise pas. Oui. Nous savons que chaque lanceur d'alerte-là, à quelques exceptions près, fait partie d'un clan. Oui. Quasiment, je dis quasiment. Il y a toujours des exceptions. Donc, du coup, là, les nous autres, maintenant, quand vous déposez, même si c'est que la personne là en détresse, une comme moi là, je n'ouvre même plus. Je n'ouvre plus. Bonjour, Grâce. Vous pensez que nous faisons du mal à qui? Nous faisons du mal à qui? Ah, c'est leur problème là-bas. Je ne parle plus. Moi, j'ai parlé fatigué. Je vous dis que si nous autres, une comme je parle de moi spécifiquement, si je m'adonne à ce jeu-là, vous n'allez pas vous relever. Avec ce que j'ai dans mon ventre ici. Je sais que si j'ouvre ma bouche, ça va passer pour l'acharnement. Si j'ouvre ma bouche, les gens vont dire que je veux détruire. Pourtant, ça vient de leur propre maison. Bonjour Nina. Je vous dis que là où je suis assise ici. Maintenant qu'on dépose, je ne regarde plus. Pour preuve, il y a une vidéo que beaucoup de personnes mettent en avant aujourd'hui. Moi, j'ai été parmi les premières personnes à la voir et télécharger déjà, même pas qu'il fallait aller télécharger. Ça commençait déjà à circuler. Hein? Donc, quand on t'envoie, il y a la version d'une vidéo prise sur le net, sur Facebook là. On vous envoie la version téléchargée. C'est que ça commençait à circuler. Quand on vous envoie une vidéo et que vous ne pouvez pas partager deux fois sur WhatsApp, c'est qu'elle est devenue virale. Quand vous voulez faire comme ça, partager deux fois, on vous dit non. C'est qu'à chaque fois, vous êtes obligé d'appuyer sur partager. C'est qu'elle est en train de devenir, elle est même devenue virale. Donc, quand moi, on m'a envoyé cette vidéo-là, elle était déjà devenue virale. Elle était déjà sur WhatsApp. Avec le même discours que, on ne voit pas celui-là.
J'ai seulement fait pas concerné. J'ai fait pas concerné. J'ai laissé ça là-bas où on avait déposé. Bonjour Alison. J'ai laissé ça où on avait déposé. Si j'ouvre ma bouche, je vous le redis, oh, il y en a qui m'ont dit que je vais détruire. Pourtant, ce sont les gens de l'intérieur qui font sortir ça. Et il y a des vidéos volées que nous avons, des choses qui se passent là-bas dedans. Mais moi, j'ai assez averti. D'accord. Donc, quand ça va commencer à sortir, il ne faudra pas dire qu'on veut vous détruire. D'accord. Moi, je suis toujours venu faire pour attention à l'endroit où nous allons là-bas. Il a dénoncé et s'acharné. Ce que vous faites là, ce n'est pas de la dénonciation. Non. Tel est mauvais. Tel est mauvais. Vous êtes bon. Entre mauvais. Entre mauvais. Je suis en train de voir la destruction à la Camerounaise sur, dans le monde des influenceuses là-bas. Mais vraiment, vous voyez comment des personnes utilisent une autre personne pour détruire, en vue d'en détruire une autre. Et la personne est là comme ça. Après, quand elle va se retrouver dans un hôpital de fous, elle va commencer à dire qu'on l'a gâtée au village. Je participe, ça dit j'assiste à ça comme ça. Propre. C'est notre comme ça. Donc, je vous ai dit, je préfère ne même pas le prendre dans ce sens parce qu'il y en a qui vont dire que je défends Malène Nvuto. Je vous ai posé la question de savoir ce qui s'est passé hier pour qu'elle en arrive à ça. Regardons où nous avons glissé. Hein? C'est sur son mur. Hein. C'est ça qui l'a poussé à bout. Parce qu'il y a des personnes qui écrivent. Hein, on te gnoxe dans les locaux de la CRTV. Hein. La personne qui. Le jeune qui a dit ça à Malène Nvuto a été retrouvé égorgé. Cameroun Magazine, 12 juin 2024. C'est un poste parmi tant d'autres. Et vous savez que nous, là, c'est le mot de mélangement. Non, c'est quelqu'un d'isolé pose son acte là-bas. L'autre pose son acte là-bas. Bing! On fusionne tout. Ça devient la vue d'ensemble. Tout le monde n'a pas le cœur qu'une comme moi. J'ai écrit ça, mais j'en ai rien à foutre. Nous ici, on nous a accusé d'avoir jeté les armes. Et nous vivons ça aujourd'hui. Hein? Nos fichiers, est-ce là? Ce sont nos propres frères. Eh oui! Vous pensez que ce sont les pays dans lesquels nous vivons, c'est qui? Non, ce sont des dénonciations. Hein? Ce sont des personnes qui écrivent comme ça que les seuls là. Il y a du vrai et il y a du faux dedans. Ce sont ces personnes qui écrivent à ces instances. Il y a des combattants qui ont failli perdre leur boulot. Dénonciation, leur propre frère de lutte même, là à l'intérieur. Donc quand Malène s'assied comme ça, on lui colle carrément un assassinat sur le dos. Vous voulez qu'elle réagisse comment? Elle ouvre un autre truc, bing. Elle ouvre un autre. Oui, elle a le bad contre Eto. Mais apprenons à rester dans les contextes. Et comme nous avons décidé de mélanger, j'ai dit, mais maintenant, là, nous, on va seulement se tenir là. On vous regarde. On vous regarde. Nous, on va même finir par arbitrer. Voilà des personnes qui se disent journalistes qui écrivent ce genre de choses. Et vous collez ça sur une personne. Même si la personne-là est tribaliste, même si elle dérange énormément. Mais les gars, c'est aussi à vous de vous acheter une conduite. Donc, ça devient la bagarre. Ça devient la bagarre. Ce sont des choses infectes. Elle ne sait pas se contenir. Donc, elle aussi, elle se verse. Vous. Nous, on se retrouve là comme ça. On dit qu'on ne sait pas. On fait comment?
on regarde comme ça, on dit que oh, ce que l'autre a dit aussi, ah, bagarrement, bagarre. On se dit que bon, finissez de bagarrer, on va faire aller le survivant. Ah oui, oui, là, il n'est pas question de défendre tel. Je vous tape dessus tous les deux d'une façon égale. Je vous ai posé la question. Moi, j'ai vu le titre du direct. Comment se fait-il qu'il y ait eu cette déviation? Hein? Non, moi, Masso, voilà Masso, elle est de l'Ouest. Hein? C'est une histoire d'elle. Oui, c'est vrai qu'elle aussi, elle a souvent ses dégagements. Mais quand elle se rend compte que c'est un groupe de personnes liées par quelque chose qui tombe sur elle, soyons sérieux. C'est pour ça qu'elle dit, après, on ne prend plus ces lanceurs d'alerte au sérieux. Parce qu'on se rend compte que là-dedans, il faut essayer de démêler le vrai du faux. Ces derniers temps, elle a été attaquée. Il ne faut pas, faut pas sceller sa bouche. Elle a été attaquée. Elle a été attaquée. Et pas n'importe. On vous colle un meurtre sur un assassinat sur le dos, c'est petit. C'est petit. Si nous nous pleurons parce qu'on a dit notre tribu, vous imaginez, alors on t'accuse d'être soit complice, soit auteur, soit, je ne sais pas, instigateur de l'assassinat, organisateur. Tu fais comment? C'est pas la meilleure façon de se défendre. Mais vous allez transformer nos relations en bagarre perpétuelle. Moi, je ne vais plus chez lui ces jours-ci. Bonjour, Fan Bondi. Je ne vais plus chez lui ces jours-ci, je vous promets. Pourtant, je parle à lui. Je demande de ses nouvelles, je ne vais plus chez lui. Parce que ce que je lis là-bas est infect, je suis désolée. Je ne le juge pas, mais je n'y vais plus, je ne lis plus. Je n'ai pas envie d'être dégoûtée, donc je ne lis plus. Je suis sur Telegram, moi je lis sur Telegram, je ne vais plus sur Facebook. Mais vous regardez, voilà 315, voilà mon Telegram et c'est lui. Hein. Je ne lis plus chez lui. 315. On ne lit plus. Ça fait longtemps que je ne suis plus allée là-bas. Soyons responsables un tout petit peu. Nous savons que nous n'aimons pas être pointés du doigt pour rien. N'en faisons pas autant. Ce que nous sommes en train de faire là va faire couler définitivement notre société. Peut-être que nous avons besoin de ça. Hein? Peut-être que nous avons besoin de ça. Je vous jure. Je vous jure. Est-ce que vous pensez que les histoires de transfert si, se règlent au jour, au grand jour? Les histoires de transfert de joueurs. Des histoires qui se règlent à coups de millions d'euros. Vous pensez qu'ils vont venir mettre ça sur la place publique? Et la mafia, et les ceci qui aiment là-bas. Vous pensez vraiment? Après, dites ce que vous voulez. Vous allez même accuser Eto d'avoir engrossé toutes les femmes qui ont accouché ces 5 dernières années. Allez-y. Mais dites-vous qu'il y en a qui sont en train de faire les pompes pour vous retourner l'appareil. C'est tout ce que moi je suis en train de vous dire. Qui va vous arrêter? Personne ne peut vous arrêter. Mais dites-vous que les nous autres là, on va rester là comme ça. On va sauf que vous regardez. On va sauf que vous regardez. Oui, c'est fort. Mais il y a des personnes qui ne savent pas mettre l'eau dans leur vin. Parce que les gens ont oublié là. Parce que quand les gens pleurent là, ils ne disent pas que ces derniers temps-ci, virgule, il y en a qui se sont acharnés. Personne ne dit. Si elle-même ne publie pas là, que regardez ce que les gens là me collent aussi sur le dos. Ça vous dit tout simplement que c'est fort. Accuser quelqu'un d'assassinat, c'est pas fort. Mais il faut leur demander, non? Il faut leur demander. Il faut leur demander.
Il faut leur demander ce que les histoires de la Fédération française vient chercher dans les histoires de la de l'Afrique à foot. Ce sont des histoires, même s'il y a des tensions, ça se règle, mais vraiment en interne, vous n'allez jamais en entendre parler. Les gars, quand ils viennent vous parler de transfert de joie, ils vous parlent seulement de tel a été racheté par tel, voilà, il a coûté tel nombre de millions. Si vous allez même regarder derrière, c'est beaucoup plus que ça. Et les commissions, et les commissions, et les commissions. Et qu'est-ce que ça peut bien te foutre que je sois églisienne ou pas? Le savoir te changera quoi? Au fait que je suis en train de parler, je dis ce que je dis là. Comme vous aimez coller les étiquettes aux gens là. Voilà votre pays qui va à la dérive. Voilà votre pays qui est en train d'aller à la dérive. Donc quand vous donnez des coups, tout le monde ne peut pas encaisser comme les nous autres. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous, moi j'ai été, ma mère nous a toujours interdit de bagarrer. Donc les bagarres là, que ce soit des bagarres de chiffonnières, que ce soit des bagarres physiques, nous on ne connaît pas. Donc quand tu déposes la... Ma mère disait soit tu ignores, soit tu réponds. Et que ça ne colle pas à la peau. D'accord. Les injures, là, les insultes, ça ne colle pas à la peau. Si ça te sert trop, tu donnes aussi Kim. Tu égalises ou tu mets un cran au-dessus. Donc personne n'a pleuré ici quand vous êtes dans la provoque. D'accord. Chacun a son seuil de saturation. Chacun a son seuil. Moi, les histoires d'ethnie, là, ça ne me touche mal, alors pas du tout. Vous pouvez toujours dire que l'ethnie donc, les ethnies, parce qu'il y en a deux, les ethnies de mes ancêtres, là, sont comme si... J'en ai rien à foutre, littéralement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce sont des choses que je ne visualise pas. Moi, je regarde des hommes, je ne regarde pas des groupes ethniques. C'est quoi un groupe ethnique? C'est quoi un groupe ethnique? Moi, ça ne me parle pas. Pour moi, la langue, c'est un moyen de communication. Coucou, Julie. La culture appartient, les cultures appartiennent à l'humanité. Ce ne sont pas les propriétés d'un groupe de personnes. Donc, quand vous parlez de vos histoires d'ethnie, là, moi, je suis perdue dedans. Vous voulez que je vienne vous dire que quoi? C'est réglé par des lois. Et si vous voulez que le pays la tienne, récupérez-le, qu'il soit dirigé par des personnes sensées, pour des personnes sensées. Tout ce que vous faites dans les quartiers, là, ça ne change rien. Si vous ne vous supportez plus, tapez-vous dessus, on va faire avec les survivants. Si vous pensez vraiment qu'il y a telle ethnie qui déteste la vôtre, allez, go, ceux qui pensent ça, on organise la cham. On commence à organiser des matchs comme les matchs de catch là. Les gens gagnent, on parie même, on gagne même les dos dedans. Vous tapez dessus. Après, on rentre au quartier, vivre nos vies. Vous voulez quoi? Qui fait moins de mal à l'autre? Le mal, c'est le mal. Vous avez vu, on pèse ça. Je vous ai dit, une comme moi, là, les CUL de ta mère, j'en ai rien à foutre. Il y a des personnes à qui tu dis ça. Vous avez des problèmes jusqu'à la fin des temps. Est-ce que nous sommes donc égaux face au mot? Non. Nous sommes égaux face à l'oppression? Non. Donc vous ne pouvez pas dire que d'autres font plus de mal que vous. Chacun a son seuil de saturation. Il y en a à qui tu dis mouf. Ça devient un problème. La personne à meute la France et la Navarre. Il y a des personnes à qui tu dis mouf. C'est comme. Et tu arrives à Yaoundé là. Les moufs là, c'est. Avant, on disait on dit mouf au chien. Maintenant là, personne ne donne même plus cette réplique. On dit mouf au chien. Tout le monde dit mouf. Quitte là. Même à la maison. Mouf. Quitte là. C'est devenu banal. Ça va aller. Nadiège, ça va aller. Comment vas-tu? Ça va aller. Donc, la famille, moi, il ne fait que tirer sur la sonnette d'alarme. Je ne fais que tirer sur la sonnette d'alarme. Et il faut bien écouter. J'ai écouté quelques mots de Marlène. Oui, elle se défend. Je suis désolée. Et moi, là, aujourd'hui, si elle commence à lire l'heure ici, si ma famille apprend qu'il y en a qui ont pris mon nom, qui sont allés dire que j'ai fait, que j'ai acheté les armes, ils vont me dire qu'on t'avait dit de quitter dans les histoires de Kamto. Parce que moi, on m'avait dit les histoires de Kamto. Ils savent que moi, les histoires d'ethnie, là,
on ne me parle pas comme ça. Je pète une durite. Donc, ils vont me dire, quand tu avais dit de quitter sur les histoires de Kamto, tu as alors vu. Enfin, ils vont me dire ça. Hein? Ils vont me dire ça quand tu avais dit, on t'avait averti, non? Comme nous sommes en train de dire à Etoko, on t'avait averti, non? Qu'il ne faut pas aller te mélanger aux sardines, là. Tu vas te faire engloutir. Donc, quand Marlène regarde comme ça, elle regarde les noms. Elle regarde les noms. Ça apparaît chez elle comme une évidence. Ça apparaît chez elle comme une évidence. Donc, elle aussi, avec toute cette rage-là, elle vous balance sa brute de décoffrage. Brute de décoffrage. Ce sont comme ça, oui, vous savez que ce sont comme ça. Donc, quand vous lui donnez Kim, vous savez qu'elle va mélanger tout ça. Elle vous renvoie ça, vous. Bas la fragmentation. Et ça n'attrapera pas qu'une personne, ça va attraper un certain nombre de personnes et ça va être les pleurs du bolet. C'est chacun qui doit se soigner. Et je vous avertis que les gars, là où nous sommes en train d'aller, là, c'est pas bon. C'est très mal connaître la constitution de notre société, ce n'est pas bon. C'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Voilà pour Eto'o que vous ne voulez pas déposer, pourtant vous savez bien que ça ne fait que creuser, creuser, creuser. Et les gens novembre, les gens de 82 là, l'ordre de 82 là, les gars sont en train de préparer la suite, hein. Pendant que vous êtes au quartier à vous chamailler, les gars sont en train de préparer la suite. Et pour faire barrière là, il va falloir que nous soyons ensemble, un maximum. Moi je suis pour le pourrissement, non. Mais en même temps, il faut être conscient que c'est le pourrissement et être prêt à gérer le pourrissement. Hé, les gars, moi-même, je suis la tête de file du pourrissement. Hein? Moi-même, là, je suis chef de file. Hein, la famille? Mais il faut être prêt au retour. Il faut être prêt au retour. Moi, je sais ce que ça va peser sur la balance. Je sais ce que ça va peser sur la balance. Ça ne va pas nous aider. Du tout, du tout. Ça ne va pas nous aider. Parce qu'à un moment, nous allons devoir faire bloc face aux gens de 82, face à l'ordre de 82. Cesser de nous taper dessus au quartier et faire bloc. Donc, si nous fonctionnons, nous sommes en mode, ah, quand c'était nous, les autres ne géraient pas. On fait comment? À un moment, nous allons devoir faire bloc. Hein? Ça va être le peuple tout entier face à l'ordre de 82. Mais comme nous en sommes arrivés à, ah, quand c'est les nous là, ils mangent toujours les autres. Ils protègent les leurs. Ce sont les leurs qui ont volé. Comment est-ce que nous allons faire bloc? Parce qu'à un moment, hein, nous allons devoir faire bloc. Il y aura les mangeurs et ceux qui ont faim. Il n'y aura que deux ethnies. Les mangeurs et ceux qui ont faim. Si ceux qui ont faim passent leur temps à s'entretuer, il restera alors qui face aux mangeurs. Parce que les gars sont là. Ils ne font que s'entraîner. Ils ne font que s'entraîner. Quand Moulinex va sortir avec sa part d'ordre, vous allez faire comment? Avec sa part de décret, vous allez faire comment? Nous allons faire comment? Parce que le football là n'est pas vital. Hein? Ça nourrit quelques Camerounais, mais ce n'est pas vital. Quand ça va devenir vital? À tel point que vous n'allez plus pouvoir parler. Pour l'instant là, vous parlez même. Souzaï Diop, même parler de certaines choses, même choisir le nom de son enfant. Tu devais réfléchir par deux fois. On se demande comment est-ce que nos grands-parents ont fait pour appeler leurs enfants, les Jaurès, Jean Jaurès et tout ça. Hein? Donc dites-nous, comment on va s'en sortir? Vous parlez de dictature. Moi, je vous dis que nous sommes nés sous Aïdjo. Celui-là n'est pas dictateur. Cela,
ces petites mains là vous sissiez pour que vous en soyez comme vous soyez comme ça. Quiet. Les Camerounais ont célébré Biya parce que là c'était et même parler même parler, il y avait des divers quand tu parlais même politique là hein, quand on dit que parti unique quand on parlait politique là, il fallait bien tourner ta langue là avant de parler. Tu ne débarquais pas comme ça avec tout ce qui est opposé à l'ordre d'Aïdjo. Hein? Vos histoires, bah, communistes, oh, bah, ceci, oh, bah, cela, et, oh, tu lisais leur propre. Dès que tu parlais d'une politique qui va à l'encontre de celle d'Aïdjo là, même pour donner un prénom à ton enfant, si c'était une personnalité publique, il fallait pas, personnalité politique, il fallait pas que la personnalité là soit subversive par rapport au régime d'Ahmadou Ahidjo. Vous parlez de quoi? Ils arrivaient, on arrivait chez toi, on fouillait. On fouillait comme ça. Dès qu'on apprenait que tu étais de l'UPC, on arrivait chez toi comme ça, on fouillait. Et si on trouvait les livres de la propagande UPC, là, tu partais sans retour. Mon grand-père y a échappé. Parce qu'il avait un ami qui était sous-préfet à l'époque, il était où à Yokadouma. Il lui a dit que pardon, débarrasse-toi de tout ça. Donc quand ils sont arrivés, mon grand-père n'avait plus rien. Jusqu'au matelas, ils ont ouvert. Vous parlez de quoi? Vous parlez de pression. Donc quand Biya est arrivé, les Camerounais l'ont célébré. Libération. Oui. Pour eux, c'était la libération. Donc, ce que nous sommes en train de faire là ne nous aide pas. Pourrissement, oui, mais pourrissement contrôlé. Nous devons rester maîtres du pourrissement. Nous devons maîtriser le pourrissement. Le pourrissement ne consiste pas à nous mettre à dos une partie de la population. Le pourrissement, c'est en direction de Ngolé-Ondo, des Touris. Empêcher qu'ils traversent, mettre une frontière entre eux et nous. Le pourrissement, là, c'est à cette frontière-là. Ils sont d'un côté, nous sommes de l'autre. Le pourrissement, c'est au milieu. Le pourrissement, ce n'est pas parmi nous. Le pourrissement, c'est chez eux et ça s'arrête au milieu. Nous ne devons en aucun cas nous retrouver dans le pourrissement. Sinon, ça va céder sous nos pieds. Organiser du pourrissement à l'intérieur du peuple, c'est se tirer une balle dans le pied. Et nous savons que le pourrissement, là, ça s'étend, n'est-ce pas? Donc, au lieu de garder les verres dans les fluides en face, mais complètement en face, d'éviter, dès lors que ça touche le peuple, bing, on lâche. On lâche. Eh? C'est trop subtil, n'est-ce pas? C'est trop subtil. Avançons seulement. Avançons seulement. Biyen. 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 Allez, c'était ma petite messe. Donc, voilà. Une journée ne passe pas. Hein. Toujours les mêmes. Non, pourquoi Samuel Eto'o est méchant comme ça? C'est le seul poster. Pourquoi Samuel Eto'o est méchant comme ça? Pourquoi Samuel Eto'o est méchant comme ça? Oui. Vous fréquentez Samuel Eto'o? Non. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que nous assistons à la manière qu'utilisent ces gens-là pour détruire leurs propres frères. Et nous savons, nous autres, que si nous les énervons trop, nous allons passer par là. Nous-mêmes là, nous avons subi ce que Samuel était subi à notre niveau. Oui. Et ça ne nous a pas fait rompre, nous rompre. Ils n'ont pas réussi à nous rompre. Nous pouvons nous plier, mais pas de rupture. Pas de rupture. Hein, la famille? Quand on parle de méchanceté, nous, ce que nous faisons là, ce n'est pas de la méchanceté.
Il y a des personnes qui fabriquent, et nous savons qu'il y a des personnes qui fabriquent des fakes depuis le sommet de l'État. Depuis le sommet de l'État. Mais tout ce que je vous dis que là maintenant, nous allons avoir des batailles rangées. Nous allons avoir des batailles rangées. Vous voulez qu'on redresse le pays sans le redresser. Donc moi, je ne comprends pas. Voilà les JO qui arrivent en France. Vous avez vu comment Macron, il a dit que là, on ne dure pas la mauvaise rêve. Avant les JO, là, les Français doivent prendre leur décision. Avant les JO. Nous ne pouvons pas rester en suspension. Vous voulez passer virer à l'extrême droite, virer officiellement. Comme ça, nous allons vivre en connaissance de cause. Nous allons vivre en connaissance. Si ça doit basculer, vous pensez que nos vies vont changer? Nos vies ne vont pas changer. Non. Parce que les gars de l'extrême droite, là, eux-mêmes vont manger. Nous allons manger les mêmes sauces. Est-ce qu'il y a des lois pour les gens de gauche, des lois pour les gens de droite? Non. Il n'y en a pas un pour retenir l'autre. Que ce soit les hiboux, que ce soit les églisiens, tous ceux des églisiens, tous des extrémistes. Et nous, nous sommes là au milieu comme ça. Perdu. Nous, on vous regarde seulement. Mais toute chose a une fin. Il ne faudra pas nous dire demain de venir rétablir l'équilibre. Non. Deux bandes d'extrémistes qui se bagarrent. Moi, j'ai dit ça. Je n'ai rien dit. C'est la fin de la semaine. Je vais me mettre. Ouais, les vêtements, si, eh, mon Dieu. Je dois repasser un tout petit peu, petit, petit, je repasse. Hein, jusqu'à ce que je voie le bout du tunnel. Mais ça va aller. D'accord? Moi, c'est seulement pour tirer sur la sonnette d'alarme. Tout en disant, ça va aller. Ça va aller. Bibala la famille. Je voulais même faire un peu de Congo ça. Et le monde du Japon aussi. Mais bon, quand je parle d'une façon aussi sérieuse, mieux. Il va se passer quoi en 2025? Il va se passer quoi? Le R là est en train de poser des balises au bon endroit. Là, ils vont siéger là-bas au Parlement à Anguaïkele. Ils vont finir d'écrire là-bas, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et vous allez vous rendre compte que, vraiment, avec Eto'o là, ce n'était rien. Vous allez vous rendre compte qu'avec Eto'o, ce n'était rien. Il va se passer quoi en 2025? Nous avons fait tout ça pour que nous soyons prêts. Et nous nous rendons compte que nous avons passé notre temps à évoluer en marche arrière. Nous avons passé notre temps à évoluer en marche arrière. Bon, libala la famille. Moi, ça me ronge, mais énorme. Ça me ronge vraiment. Parce qu'on aurait pu prendre un autre virage ou prendre le virage autrement. Mais hélas. Hélas, hélas. Nous avons déjà semé, ça a poussé. Nous allons devoir récolter. Mais la récolte là, pas grand monde ne voudra la consommer. C'est ça le problème. De faire ensemble là aujourd'hui me paraît impossible. Ça vous comprenez où je veux en venir. Donc même s'il y a élection là, même s'il y a élection, même si nous avons les législatives avant les présidentielles, il n'y aura pas d'ensemble. Et nous savons bien que l'opposition a rendu dispersé face à Biya. C'est Biya qui gagne. Donc s'il y avait une fissure comme ça dans l'opposition, aujourd'hui, il y a carrément le, comment on appelle ce truc-là? Tout un canyon, hein? Il y a où le canal?
de Suez ou de Panama, je ne sais pas, choisissez. Avant, il y avait une fissure. Est-ce que c'est que je suis en train de décourager? C'est la réalité. Le ensemble n'est plus possible. Et ce n'est pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un pays avec... Nous quittons toujours... Nous avons quitté Sardina face au Tontina. Maintenant, c'est Iglesien contre Ibo. Dis-moi si tu penses que là où nous sommes assises comme ça, nous sommes assis là. Les Iglesiens et les Iboula peuvent se mettre ensemble comme ça face à Bia. Dites-moi. Avec nos esprits revanchards, là. Est-ce comment ça s'est découragé? Nous sommes des enfants pour être découragés. Hein? Ah! Non, ce coup-ci, ce n'est pas différent. Ils gèrent ça autrement. Ici, là, nous parlons via des écrans. Là-bas, ils sont obligés de fonctionner ensemble. C'est quand ça va péter que vous allez vous rendre compte que le macabo là pèse lourd. Le macabo pèse lourd. Ils n'ont pas le temps de venir sur les réseaux sociaux. Ça se passe là-bas. Dans l'espace. Moi, vous avez dit que je ne regarde pas les retours ici. Ce sont les retours du 237. Cette fois-ci, ça a trop cuit. Ce n'est même plus mangeable. Tu touches comme ça, ça se désagrège. Tu touches comme ça, ça se désagrège. Ce n'est pas la peine de vivre dans le déni. C'est à nous de nous ressaisir. Là, maintenant, fais ensemble. Coalition. Qui va se mettre avec qui? Qui va se mettre avec qui? Hein? Avançons seulement. Que vraiment, comme avait dit Baolan, que Dieu nous garde, Camerounais. Que Dieu nous garde. Parce que ces personnes que vous voyez sur Internet, là, sont dans des groupes hein, de communication, groupe WhatsApp, groupe ceci. Et il y a des gens du Cameroun dedans. Harry. Ceux-là sont seulement là pour, parce qu'ils ont plus de connexions, ils sont seulement là pour semer la mauvaise graine. Mais... La même propagande là-bas au Cameroun, elle se passe hors réseau, justement. Hors réseau. J'ai vécu ça. La campagne contre moi, ce n'était pas la plus grosse campagne, n'était pas ici comme ça sur les écrans. Hein. C'était en privé. Et plutôt vous met ensemble qu'il a vocation à vous mettre ensemble. Vous avez souvent des exigences de des personnes... Et toi, des comptes à vous rendre. Hein? Il voulait vous mettre ensemble comment le gars à la Fekafoot, une association parmi tant d'autres. Il allait vous mettre ensemble comment? Hein? Et ensemble jusqu'à quel niveau? Les qui avec les qui? Face au qui? Vous êtes sûr que si Eto'o avait dit sortez, vous serez sorti? Le Camerounais que je connais là, si Eto'o dit maintenant, sortons réclamer de l'eau potable, vous êtes sûr que vous allez sortir? Et pourquoi est-ce que c'est Eto'o qui devrait vous le dire? Eto'o a les moyens de mettre 50 forages chez lui. Vous êtes là, c'est vous qui tirez le diable par là. C'est quoi ce peuple? Sentant la douleur au plus profond de lui, n'arrive pas à se rebeller de lui-même. Et de vous mettre ensemble comment? Quand vous décidez d'aller regarder un match là, c'est toi qui vous appelle. Avant, et toi à la Fekafoot, c'était quelqu'un d'autre, non? Et quand il y avait match, quand il y avait match, vous étiez versé de la même façon que vous êtes versé aujourd'hui face à un match. Et toi là, lui, devient la courroie de transmission par quelle alchimie? Hein? Il y a des personnes qui aiment Eto'o. Il y a des personnes qui sont prêtes à se lever pour Eto'o. Mais c'est par rapport à ce que Eto'o est. Sa carrière, voilà, c'est une star.
Donc vous voulez qu'ils vous unissent sur le plan politique, y a feu. Y a feu. Vous avez de sacrés slogans là, oui, il est, voilà, il aurait dû utiliser sa voix, mais en même temps, vous ne réservez pas le même traitement aux autres. Eto est la seule star du foot. Il a constitué, il était les 23 de votre équipe. Non, c'est 22 ou 23, je ne sais même plus. Hein? Pourquoi vous ne demandez pas à Mila de venir parler pour le peuple? Il a ses aînés là, les belles et compagnie. Eto ne dénonce pas. Qui dénonce donc? De tous ces porteurs de bannières là, vert, rouge, jaune, les bas qui dénoncent avant de venir faire le proche à Eto, que Eto, lui, il avait le devoir de dénoncer où? Par quelle alchimie? Et alors, c'est sa population. Il a travaillé. Il a travaillé. Nous sommes ici en Bengue. On a dit à quelqu'un que oh, tu es obligé de. Au Cameroun, là, vous ne supportez pas Yannick Noah ici. Il a été combien d'années d'affilée la personnalité la plus aimée de France? C'est parce qu'il a dénoncé. Est-ce que c'est parce qu'il a dénoncé quelque part? Vous avez déjà vu Yannick Noah s'impliquer vraiment dans la politique française combien de fois? À part sous Sarkozy, là où il avait dit que si Sarkozy devient président, lui part. Vous avez vu Yannick Noah porter la souffrance des Français où? Vous avez vu Yannick Noah s'exprimer pendant les manifestations des Gilets jaunes? Hein? Donc quand vous dites que oui, il est populaire, il est ceci, il est cela, il a traversé. Quand il était en train de travailler ça, vous étiez là en train de porter son sac. Hmm? Voilà Nganou qui est célèbre, non? Voilà Nganou qui est célèbre. Il gagne combien de millions par match? Vous savez combien de milliards le monde de la boxe la brasse? Hmm? Lui, il a dénoncé où? C'est pour cela qu'il a dit que quand vous voulez manger quelqu'un, hein, mangez tous ceux qui font pareil. Mangez tous ceux qui font pareil. Quand vous dites que oh, Eto ne dénonce pas, les lions qui sont en train de jouer là, 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 présentement, là, comme vous aimez dire au pays. Les 11 entrants là, ils ont déjà dénoncé où, quand? Pendant la coupe là, la coupe d'Afrique chez nous là, avec des morts, ils auraient pu porter un brassard, non? Ils ont porté le brassard, pardon, dites-moi, rafraîchissez ma mémoire. Ils ont porté le brassard. Hmm? On pèse la célébrité là où? Oui, oh, dans tel pays, tel joueur avait fait. Il y a aussi des pays où les joueurs ne font pas. Non, dites-moi, il y a des pays où les joueurs ne font pas. Des célébrités ne font pas et toutes les célébrités ne font pas. En France, ici, nous connaissons les artistes qui s'impliquent. Il y a des artistes, les Balasco et tout ça qui dénoncent. Et vous en avez qui n'en ont rien à cirer. Vous n'allez jamais les voir dedans. Et vous voyez les Français leur tomber dessus. Pourquoi vous voulez toujours que les autres soient responsables de vos vies? Hein? Vos leaders de partis politiques même parlent. Vous ne bougez pas. Cabral avait dit sortons pour réclamer de l'eau potable. Combien sont sortis? Maurice Kamto a dit sortons. Combien sont sortis? Donc c'est Eto qui va vous faire sortir. Vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Vous êtes sûr que si Eto dit aujourd'hui sortons, il va encore avoir autant de copains? Quand il travaillait son foot là, on lui a donné ça sur un plateau. Est-ce qu'on a donné ça sur un plateau? Quand les gens racontent la vie d'Eto, vous avez l'impression que ça a été easy comme ça. Il a essuyé beaucoup de refus. Il s'est accroché. C'est son travail. Il se torche avec s'il en a envie. Vous voulez le tuer parce qu'il est populaire. Et vous voulez qu'il vous sauve grâce à cette popularité. Il y a quelque chose qui ne tient pas souvent chez nous là. Il y en a qui disent, oh, tuons-le, il veut se présenter, il veut être président, il est trop célèbre. Mais en même temps, vous voulez que sa popularité vous nourrisse. Hmm? Vous êtes incapable de sortir par vous-même, c'est vous qui buvez de l'eau sale.
Et toi, lui, il peut boire de l'eau minérale. Quitte à boire ça par à crédit. Tu es capable de payer de l'eau polluée. C'est toi qui dois venir te demander de sortir. Il doit se mettre, se ranger de votre côté. Se ranger comment? Se ranger comment? Et toi, quel âge? Ses aînés étaient où? Et toi, commencé à être célèbre quand? Comptez le nombre d'années. Le Cameroun a commencé à dériver quand? Donc lui, c'est vraiment l'enfant, le Dieu que c'est Jésus revenu parmi les siens. Hein? Tout ce temps-là, vous attendiez Eto. Eto a une dette vis-à-vis de vous. Quand il essuyait des refus-là, il y a des Camerounais derrière. C'est pour ça que moi, je dis souvent que vraiment, les Camerounais, c'est une maladie chez nous. Quand tu es nul là au quartier, personne ne te gère. Quand tu es devenu grand, tes frères pensent que tu leur dois tout. Hein? Je suis responsable de ma vie. Je travaille pour ma propre gloire d'abord. Je ne suis pas obligé de la mettre au profit du pays qui m'a vu naître, les gars. Est-ce que nous, on pleure ici quand un gars nous prend sa ceinture, il va vous la présenter? Nous, les Français, là, on pleure. Pourtant, ce sont nos cotisations, là, ce sont nos impôts qui ont fait de lui le champion. Tu peux avoir du talent, mais ici, là, si tu n'as pas d'entraîneur, si tu n'as pas de structure, si tu n'as pas, tu peux toujours porter le sable. Et Longa a chanté, alors ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Lui-même, il a lu leur nom. Si Longa dit aujourd'hui sortons, vous allez sortir. Il a chanté et à part mimer ses chansons, ça a changé quoi à la vie des Camerounais? Non, il a chanté, oui. Et alors? Les Camerounais ont toujours de l'eau, pas potable du tout. Toujours pas assez d'écoles, des écoles qui tiennent la route. Hein? Je dis que, est-ce que nous pleurons ici qu'un Ganou est allé lutter, il a pris le vert ou jaune, il allait présenter là-bas, il pose la question. Nous pleurons ici, nous autres en France. C'est pas ici qu'il est venu s'entraîner, il a eu la chance de... S'il avait atterri, il serait resté en Italie. C'est pas dit que l'Onganou là serait l'Onganou là. Hein? Donc il faut me dire. Parce que moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Nous autres là, nous accouchons nos enfants ici. Nous nous mettons en 4, nous pions en 50 pour qu'ils fassent du sport. On détecte des talents pour qu'ils excellent. Et demain, vous venez nous rappeler qu'ils sont Camerounais. Et qui sont obligés d'aller jouer pour l'équipe nationale. Ça se passe comme ça. Vous avez investi à quel moment? Des enfants que vous refusez même d'enregistrer en tant que Camerounais. Moi, je ne vous le passe pas. Et toi, ne vous dois rien. Sa célébrité là. Quand il avait mal aux muscles là, il était seul. D'accord? Il était seul. Il ne vous doit rien. Les personnes qui sont obligées de travailler pour le Cameroun, là, vous n'êtes pas suspendu à leur mimban. D'accord? Biya a l'obligation de. Il est chef de l'État. Le devoir, avec le devoir de protéger les biens et les hommes. Vous venez vous accrocher sur Eto. Hein? Ah, quand il réussit, il devient l'enfant de tout le monde. Mais quand il trinque. Quand il devient le bandit, c'est l'enfant seulement de la famille, là. C'est ça même. Et toi, ne vous dois rien. C'est une histoire d'individu. Il supporte bien s'il en a envie. D'accord? Il supporte bien s'il en a envie. Il y en a qui vont vous dire que ceux que vous supportez aussi, on lui a fait du sale. On va leur faire comment? Chacun doit se sauver lui-même. Et toi, ne vous dois rien. D'accord? Il ne vous doit rien. Et il vous l'a dit. Si vous voulez lui faire lire, boycottez-le. Mais l'envoyer à l'échafaud, non. Boycottez-le. Il s'est fait tout seul. Quand il essuyait les refus là, vous n'étiez pas là pour essuyer ses larmes. Si c'était le genre à abandonner,
il ne serait pas devenu le grand joueur de foot que vous plébiscitiez là. Mm-hmm. Parce que quand on raconte ça, c'est linéaire. Est-ce que c'est linéaire? Non, pas linéaire. Venez d'abord nous citer ceux qui ont porté les problèmes du peuple là, on voit, pour dire que Eto'o, lui, n'a pas. Ils sont combien au chevet? Le peuple là, lui-même, qui ne veut pas se sauver lui-même. Donc vous voulez seulement des gens qui viendront mourir cadeau. Mmh. Si Eto'o l'a dit même sortez, vous allez commencer à le bâcher. Ah, ils n'ont pas le Hemley. Qui a trouvé ceux qui ont le Hemley au quartier? Vous avez vu les églisiens? On dit à Belle de garder leur terrain. C'est bien. Les églisiens, on dit à Belle de garder ses terrains comme il fait le chantage avec. Mais c'est ce que moi, c'est ça qui me dépasse. Moi, il dit que tous les plus de 65 là, ceux qui sont déjà dans les 70 là, vous partez tous à la retraite. Vieux n'a vieux. Ma mère a 70 ans, elle est vieille. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est jeune. Donc, si ma mère est vieille, ce n'est pas le père du voisin qui a 70 ans qui va être jeune. Hein. Même traitement. Même traitement, retraite, tu deviens conseiller, tu fais ce que tu veux. J'ai le droit de supporter qui je veux. D'accord. Donc si nous voulons manger Eto'o, nous mangeons toutes les sardines. Toutes les sardines. Il y en a qui sont sardines jusqu'à partir avec les unes. Donc ce coup-là, non, vous ne pouvez pas manger Eto'o. Ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable. Voilà Mbappé. Vous allez lui faire un procès parce que son père est né au Cameroun. Sa mère va aussi dire là-bas que les Algériens disent que Mbappé, c'est notre enfant. Oui, on fait donc comment avec Mbappé? Les Français vont dire que bon, ce sont nos impôts. C'est nous qui avons, il est né à Bondy. C'est l'agent de Bondy qui a payé. C'est l'agent de Bondy qui a fait qu'il avait un stade avec un bon gazon. Et bagarrement, on coupe seulement l'enfant d'autrui en trois. Chacun prend sa part. La France prend le milieu. Le Cameroun prend à gauche. L'Algérie prend la droite. On fait ça. On fait ça. Avant Eto'o, il y a eu les Roger Mila. Il y a eu les Koundé. Il y a eu les Njonkep. Il y a eu les Massing. Vous voulez que continue? Ils se sont levés quand où? Ils se sont levés quand où? Même quand on bouffait leur argent, ils rentraient pleurer au quartier. Même quand on bouffait leur prime, ils rentraient pleurer au quartier. Pourquoi est-ce que vous estimez que, et même si Eto'o parle, vous ne bougez pas, ça ne donnera rien? C'est pour vous donner bonne conscience. Faire croire que si vous ne bougez pas, c'est parce que Eto'o n'a pas parlé. Même si Eto'o parle, vous n'allez rien faire. Vous cherchez seulement des raisons pour le clouer. Vous cherchez seulement des raisons pour le clouer. Même si Eto'o avait dit « Je supporte Cabral, je supporte Campton en 2018 », les résultats auraient été pareils. Apportez-nous la preuve comme quoi ce que Eto'o a dit là a pesé sur les élections. Hein? Et si ça a pesé, c'est que le gars a le power. Et que vous ne gagnez pas à vous le mettre à dos. Ça, c'est une histoire de bon sens. Ici, sur le plan politique, quand tu as une voix qui attire d'autres voix, on te caresse dans le sens du poil. Là, vous entendez que les extrêmes, là, Marine Le Pen est prête à se rallier à Bardella et compagnie, là. Vous pensez que c'est pour rien? Ce n'est pas le bab-bab. Ce n'est pas, oh, moi, j'ai les bimbans plus lourds que le voisin. Non. Si vous accordez autant de puissance à Eto'o, vous ne gagnez pas à le froisser. Vous ne gagnez pas à essayer de l'envoyer à l'échafaud. Puisque
que c'est un faiseur de roi. Si Eto'o peut dire votons pour Biya, Biya gagne les élections, c'est un faiseur de roi. Et vous ne gagnez pas, à vous le mettre à dos. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? C'est élémentaire. C'est élémentaire. Il faut caresser tout dans le sens du poil. C'est ça la politique. Convaincre. La politique, c'est la drague perpétuelle. Convaincre. Draguer. Aller vers des personnes qui n'ont pas encore pris une décision ferme ou bien des personnes qui sont de l'autre côté. Ce n'est pas la guerre. Et je vous l'ai dit, c'est que faites attention les gars. On n'essaye pas de pendre un faiseur de roi. Puisque c'est ça que vous lui collez comme étiquette, c'est un faiseur de roi. On caresse le faiseur de roi. On l'amène à croire en nous. À lâcher celui qui l'a fait. Ou celui qui pense pouvoir faire roi. On le caresse. Donc c'est quoi ce peuple qui se tire une balle dans le pied? Parce que là, je ne sais pas où vous voulez en venir. Eto'o a dit de voter Biya. Il y en a, c'est à cause d'Eto'o. Eto'o avait dit, et les gens ont voté Biya. Conclusion, Eto'o est une voix que les Camerounais écoutent. La parole d'Eto'o fait pencher la balance. Eto'o a une certaine force politique dans ce pays, bien que ne faisant pas de la politique politicienne, quand il dit ça, il n'est pas député, il n'est pas ceci, il ne travaille même pas pour le gouvernement. Est-ce que vous gagnez donc à vouloir le pendre, puisqu'il a un certain nombre de personnes derrière lui, il aurait un certain nombre de personnes derrière lui. Vous gagnez à être à ne pas le gérer du tout ou à le baratiner. Mais vous ne gagnez pas à le combattre. C'est aussi ça, le jeu politique. Mais comme vous pensez que vous êtes des King Kong, nous allons donc faire avec ça. Nous allons faire avec ça. Moi, je vous regarde seulement le moment venu. S'il y a un candidat qui me parle, je vais seulement retrousser mes manches là et go au front. Et je ne vais pas vous demander votre avis. D'accord? Chacun est responsable de ses faits, de ses dits. Ce que vous faites là, non seulement c'est de l'acharnement inutile, parce que même si Eto'o est effacé du paysage du Cameroun aujourd'hui, ça ne changera rien à vos situations individuelles, à la situation globale même du pays, ça ne changera rien. Pas du tout. Sa célébrité là, est dangereuse, mais sous réserve que quelqu'un veuille jouer avec la mèche et les allumettes et l'accélérateur. Bah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Mais je vous dis que là où je suis assise là, moi, je ne vais pas vous regarder manger et tout sans rien dire. Non, parce que maintenant, je sais comment est-ce que nous faisons pour que certains Camerounais, à raison ou à tort, finissent à Kodengui sans aucun procès. Sans aucun procès. Nous ne sommes pas un peuple de personnes sensées. Nous, nous mettons en avant nos inimitiés, nos rancunes, nos rancœurs. Et ça, c'est pas bon pour la société. D'accord? Nous vous avons faim. Nous voulons manger de la sardine, toutes les sardines. Vous avez gardé une seule sardine dans une boîte. Les sardines se baladent par l'eau. Donc, venez déposer ici. Par l'eau. Pour que nous puissions passer à table sans rancune. C'est que tout le monde aura mangé la sardine de l'autre. Pas qu'on prend une sardine isolée, on décide de tous la manger pendant que les autres sardines sont en train de se balader. On ne sait pas où. Hein, la famille? Nous ne gagnons, mais alors pas du tout à nous acharner sur Eto'o. Si vous avez des choses qui tiennent la route, déposez des plaintes, apportez des éléments.
Mais ce que vous êtes en train de fabriquer là. Allez. Ma mère, regardez le maire de Kingston. Et je vous conseille de regarder le maire de Kingston. Des fois, on est obligé de fricoter. Pardon, laissez ma voix, j'ai pas. Cherche le pain. On se dit à demain. Je m'avais fait mon petit smoothie. Je suis accro au smoothie. Bon, pour les filles qui ont commandé là, emballer, c'est peser. Le temps de vérifier deux, trois trucs dessus parce que je suis maniaque. Et emballer, c'est peser les filles. Il n'y aura plus. Ah, il n'y aura plus d'opposition. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus d'opposition dans quel sens? Il y aura toujours d'autres partis. S'il prend le pouvoir, le RDPC va passer dans l'opposition. Les PCRN seront toujours dans l'opposition. Donc, il y aura toujours une opposition. Opposition. Maintenant, est-ce qu'il sera, est-ce qu'il ne sera pas illégal de dire d'être opposant? C'est ça le problème. Est-ce que certaines personnes vont accepter? Inquiète, ma, qu'est-ce que Panzong a encore dit non? Ah, deux minutes. C'est comme ça que moi, il reçoit des choses. Qu'est-ce que Panzong a encore dit? Mais je reçois là comme ça en direct. Hein, donc, écoutons, Panzong a dit que quoi? Il est où? C'est beau ça, waouh! C'est à l'ouest. Monsieur Eto. Ah, c'est trop beau, hein? Bravo. Avant de se battre, il faut éviter. Qui m'a fait croire que le fils et le père pouvaient avoir un problème? C'est beau ça. C'est à l'ouest. Voice a déclenché la clarté. Je n'ai pas écouté. Donc, écoutons tous ici. Oh mon vuvuzela, Zamba, j'ai mal partout. On vient de m'envoyer ça. Non, j'ai pas écouté. Écoutons. Monsieur Eto, bravo. Vous avez réussi à me faire tomber dans votre tchouki, comme dirait la pyro de Vanga. J'avais oublié que quand deux triants font semblant de se battre, il faut éviter d'entrer en pitié et d'aller les séparer. Vous y laisserez votre portefeuille, votre téléphone et peut-être votre vie. Qu'est-ce qui m'a fait croire que le fils et le père pouvaient avoir un problème? Dans tous les cas, mon voice a déclenché la clarté. Mon voice vous a obligé à dire au peuple de ne pas avoir pitié de vous parce que vous n'avez pas de problème. Continuez à n'avoir pas de problème. Mais ne venez plus troubler le peuple en leur faisant croire que dans votre lutte pour partager le butin qui est le bien du peuple entier et que vous vous êtes accaparé, un problème s'était produit. Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont compati, les compatriotes qui ont cru qu'un de leurs était dans les griffes du lion, oubliant que c'était un lionceau qui jouait avec son père pour attirer vers eux des proies avales. Oh putain, le père Zongan. Il y a des moments où il faut savoir c'était. Hier encore, tu disais que il aurait fallu, il faudrait que ceux qui combattent Eto là aient honte. Aujourd'hui, tu dis que comme Eto a dit que lui, il est pro-Biya, il est indéfectiblement reconnaissant. Tu sors dire que tu pensais que c'était la lutte entre le père et l'enfant. Il vous a un jour dit
que c'est une histoire de lutte entre le père et l'enfant. Hey, Zaba Beli Loali. Nous nous parlons de la gestion de notre pays. Vous en êtes aux histoires de l'enfant et le père. Quand je dis souvent ici que les gars, un président n'a pas vocation à être votre père, sa femme n'a pas vocation à être votre mère. Donc, pardon, dis-moi un peu. Donc, quand tu es parti, oui, il s'est séparé du père. Parce que lui-même était mort à mort dans le air. Petite main de la, des mauvais coups, des coups bas. Des mauvais coups bas. J'ai pas envie d'aller farfouiller dans les archives d'Alucam, hein. Si moi, je vois avoir ton A1 là, les marchés et tout ça à l'UQAM, les rétro-commissions, moi, j'aurai les infos, hein. Mais vraiment, que ça reste là où c'est là-bas. Panzongang. Donc, tu faisais semblant d'avoir... Tu avais pitié des taux ou c'est une histoire de justice, de loi. Quand Eto dit qu'il n'a pas besoin de votre pitié, restez dans le cadre de la loi. Restons dans le cadre de la loi. S'il a raison sur le plan légal, il a raison sur le plan légal. Donc nous qui sommes sortis pour le non-hold-up là, c'était par pitié. Pourquoi j'ai même écouté cette bêtise-ci? Et en direct en plus. Zongang, Achouen. Merci de nous avoir éclairé à temps, avant la date fatidique du match de 2025. Monsieur Eto. Non, c'est pour ça que je suis assise ici depuis. Je dis que pourquoi vous voulez associer ce qui se passe à la FECAFOOT avec 2025? C'est un problème, ça dit, tous ces problèmes d'articulation qu'il y a dans notre pays. Il s'agit des histoires de gestion de notre pays. Donc vous pensiez là que le gars était dans votre lutte politico-politicienne. C'est pour ça que c'était que Eto se rallie à l'opposition. L'opposition elle-même, elle est à quel carrefour là, pour que Eto se rallie à l'opposition. Eto est dans son... Ça dit, il a été élu à la FECAFOOT. C'est le gouvernement face à la FECAFOOT. Vous, les partis politiques, vous venez chercher quoi là-dedans? Donc, c'était par pitié. C'était par pitié. Mais tu es un des fils de Biya, hein? Zongang, tu es un des fils de Biya. Et tu as reconnu le sale. Une partie du sale que tu faisais là-bas. Tu veux qu'on réactive tout ça. Question que chacun porte bien ça. C'est ce qu'il a eu. Ce dont il est comptable comme une carapace sur le dos d'une tortue. Il faudrait avoir honte un tout petit peu. Il faudrait avoir honte. Ça ne fait même pas 15 jours. Donc tu pensais, tu étais en train de faire quoi? C'était l'appel du pied à Eto. C'était l'appel du pied. Ça veut dire que finalement, là, nous-mêmes, là, nous ne savons même pas ce que nous voulons faire de ce pays-là. Nous parlons de droit. Vous parlez de quoi? De trahison. Nous parlons de quoi là? Nzonga. Son père, vous n'aurez jamais le dessus sur le peuple camerounais décidé. Regardez derrière vous et comptez maintenant combien de personnes vous avez déçues depuis que vous avez été obligé de dire la vérité. La vérité que vous avez voulu cacher. Tout est atteint à une fin. Bravo, bravo. Non. Seigneur. Ok. Et vous voulez qu'on fasse quoi déjà assez? Hein? Non, non, dites-moi. Vous voulez qu'on fasse quoi de ce genre de discours? Donc, c'était par pitié. Hein? Maintenant, tu parles de déception. Donc, non, mais sérieux. Pourquoi nous ne serons pas restés dans des cadres? Donc, Eto devait vous donner un nouveau souffle, hein? Waouh! Pendant que l'opposition, là, elle-même, aux abonnés absents. Ok. Eto est dans son clocher, dans son église.
il lutte pour son église, qui n'est pas un parti politique. D'accord? Dans l'église de Tinga, il y a tout, je dis bien, tous les membres du parti politique du 237. Et les NDPC, et les PCRNistes, et les MSistes, et les... C'est une église de Cam... d'une partie des Camerounais. Mmh. Ah, Rwanda foot. Donc c'est vous qui avez forcé Eto'o à... Il vous avait d'abord dit autre chose. Est-ce que Eto'o vous avait dit que non, il a décidé de tourner le dos à Biya? Eto'o dit que là où il est assis là, les hautes instructions là, ils peuvent se les carrer avec, ils peuvent se les carrer où ils pensent. Il n'y a pas de hautes instructions. Et que ce n'est pas ce que les textes disent. Donc vous sortez d'où là avec vos clochers qu'il doit se rallier à l'opposition. Il a fini d'abord avec la gestion de la Fédération Camerounaise de football. Donc là, vous voyez donc où moi je veux en venir. Est-ce que vous voyez? Quand des membres influents d'un parti politique arrivent avec le GHC, vous voulez que nous autres on fasse comment? Récoutons sans couper le pain zongan. Je le vois. Bravo, monsieur le dribbleur. Bravo. Écoutez. Monsieur Eto'o. C'est à vomir. Bravo. Vous avez réussi à me faire tomber dans votre tchouki, comme dirait la pyro de Banga. J'avais oublié que quand des truands font semblant de se battre, il faut éviter d'entrer en pitié et d'aller les séparer. Vous y laisserez votre portefeuille, votre téléphone et peut-être votre vie. Qu'est-ce qui m'a fait croire que le fils et le père pouvaient avoir un problème? Dans tous les cas, mon voice a déclenché la clarté. Mon voice vous a obligé à dire au peuple de ne pas avoir pitié de vous parce que vous n'avez pas de problème. Continuez à n'avoir pas de problème. Mais ne venez plus troubler le peuple en leur faisant croire que dans votre lutte pour partager le butin qui est le bien du peuple entier et que vous vous êtes accaparé, un problème s'était produit. Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont compati, les compatriotes qui ont cru qu'un de leurs était dans les griffes du lion, oubliant que c'était un lionceau qui jouait avec son père pour attirer vers eux des proies à avaler. Merci de nous avoir éclairés à temps, avant la date fatidique du match de 2025. Monsieur Eto'o et son père, vous n'aurez jamais le dessus sur le peuple camerounais décidé. Regardez derrière vous et comptez maintenant combien de personnes vous avez déçues depuis que vous avez été obligé de dire la vérité que vous avez voulu cacher. Tout théâtre a une fin. Bravo, bravo, monsieur le joueur. Bravo, monsieur le dribbleur. Bravo, monsieur le pichichi. Pichichi en ballon, pichichi en politique, pichichi en théâtre. Vraiment désespéré. Oh putain. Non, père, si c'est comment, non? Père Zongan, la sagesse là est passée par où? Bonjour, bonjour, Mayola. Père Zongan. Ah, Zambé. Oh, oh. Pardon, oh, faites. Mm-hmm. Non, 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 faites. Moi, je suis, I give up. Je suis moi dépassé. Père Zongan. Est-ce que tu mesures l'ampleur de ce que tu as déposé là? Mmh. Donc, de tout ce qui est en train de se passer là. Ah, 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 ah.
être dépassé par quoi? Les gens se font des films. Les gens se font des films. Ils vous disent que Eto est dans son truc là-bas, il a fait qu'à foutre. Vous vous dites qu'il doit prendre une position, qu'il s'agit d'une histoire de parti politique. Parce que pour les partis politiques, là, arrive. Hein. Mais voilà, non. Hein, Karine, quand les églisiens disent rendez-vous en 2025, on dit que oh, les églisiens sont en train de faire du chantage. Voilà, Père Zongan qui dit rendez-vous en 2025. Hey, oh, oh. Moi, je vous dis que pour nous, là, hein, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Les nous autres, là, même l'équilibre, là, on ne peut plus, on a mal partout. On ne peut plus garder l'équilibre, c'est mort. C'est mort. À menace, menace et demi. Mmh. À menace, menace et demi. Donc nous ne nous cantonnons pas à la loi, au droit. Nous sommes dans les histoires de le père, de le fils. Oh, oh. Donc demain là, quand Atangandi va aussi prendre son moulinex, il va venir déposer comme ça. On va dire que quoi? Il faut que déjà commencer à dessiner l'affaire là. Hein. Panzongan. Autant je n'avais pas écouté ta part, ta dernière sortie là jusqu'au bout. Hein? Autant là, 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 là. Qu'est-ce qui n'a pas marché, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aïe. Ok. C'est pour ça que vous posez la question de savoir ce qui va se passer en 2025. Mais il y en a qui ont vraiment décidé de s'aborder Je vous disais tout à l'heure que faire ensemble, ça va être difficile. Vous voulez qu'on fasse ensemble comment, les gars? Quand on essaie de colmater la brèche, il y a quelqu'un qui vient vous élargir un peu plus qu'avant. Vous voulez qu'on fasse comment ici? Ouais, aïe, oui, athée. Oui, oui, le monstre froid, là. Hein? Le monstre froid, la peine Zongan. Nous allons devoir le gérer en 2025. Le fameux monstre froid, là. Puisque toi, c'est une histoire entre le père et son enfant. Ça va être, en 2025, une histoire entre le père et ses enfants, ses anciens enfants. Ou, je ne sais pas, on appelle le genre là comment? Puisque nous sommes tous ses enfants de Pomba. Des enfants refoulés, des enfants, je ne sais pas. Il va falloir trouver un mot pour nous qualifier. Hein? Avançons seulement. Nous allons faire avec les survivants définitivement. Oui, oui, oui. Comme ce n'est pas une histoire de broyeuse, et la broyeuse là va s'en prendre à nous tous. C'est une histoire entre le père et son fils. Donc, quand ça va être entre le père, là, nous en face, nous ne sommes plus les fils, anciennes filles. En face, nous allons mettre quoi? Hein? Oui, oui, on va sauf que tout verser, mais il faudrait que chacun s'accroche. Parce que moi, je vois les gens se balader sans ceinture, là. Que chacun mette sa ceinture, parce que là, nous avons atteint le point de non-retour. Nous avons atteint le... Non, ça doit finir au sol, ça c'est clair. Vous avez dit que vous êtes en place, j'aime mon pays. Mais il y a des personnes qui s'amusent encore. Il y a des personnes qui sont encore en train de ricaner. Moi, j'ai déjà pris toutes les ceintures de la voiture. Vous dites, vous êtes là, vous avez fini là, c'est son gros. Parce que là où je suis assise, là, je ne sais pas combien de ceintures il y a sur moi, là. Que je passe seulement avec mon siège une fois. Je pars avec le morceau sur lequel mon siège est collé. C'est ça qui est ça. On viendra me défaire. Donc nous ne pouvons même pas maintenir l'équilibre. C'est impossible. Impossible.
hélas. Même quand nous essayons de calmer les esprits de part et d'autre, nous avons nos parents, nos grands-parents là qui viennent foutre le boxon. Père Zongan, l'heure de la retraite est arrivée, en vrai. L'heure de la retraite est arrivée. Parce que le genre de politique que vous faites maintenant, là, c'est quel genre? Une personne censée peut sortir le genre, c'est... Hein? Et tu sors quand même un voice destiné à Eto. Carrément. Allez la famille, mieux gonnant. Ah, j'ai mal à la tête, voilà quoi. Puis j'ai des commandes à emballer. Bibala la famille, bibala. Ça m'a même déclenché des migraines sur des migraines dans des migraines. Il va falloir vraiment que je me replonge dans mon travail. Hein, ça me... Au moins ça me permet de m'évader. Allez la famille. Préparons-nous. Ce coup-ci là. C'est le point de non-retour. Ouais. Préparons-nous famille. Pour ceux qui ont des moyens, stocker des denrées impérissables et tout. Non, préparez-vous. Hein. Malais. Préparez-vous. Parce que là, il n'y en a plus un pour... J'ai l'impression que chacun veut gâter de son côté, mais personne ne veut gâter d'une façon intelligente. Hein? Personne. Il y aura... Les gens vont sortir de... Ça dit pour tout et n'importe quoi, ça va partir dans tous les sens. Une vraie bombe sale. C'est ça qui se dessine aux 237. Que le ciel nous garde. Que nos ancêtres nous gardent. Les dieux passés et à venir. Les dieux présents nous gardent. Il fallait pas m'envoyer, il fallait que je lise ça après. Il y a encore de la place en Govayang parce qu'on t'a dit que à Kumbizik là-bas nous sommes serrés. Je veux que je te montre mon village. Et nous avons les grottes. Mais c'est Guyagi en Govayang. Ma grand-mère est morte. Hein? Ma grand-mère est morte, c'est elle qui était de Govayang. Eh oui, ma grand-mère était de Govayang. Aïk. Aïk Mangouébian. Ma grand-mère, c'était ma grand-mère. Ah, il m'en voulait bien. Et elle n'était que deux sœurs. Et leur père est enterré sur la route de Kribi là-bas. Donc, pardon, excusez ma vie, j'ai les grottes chez moi. Et je mets un tas. Mais un tas. On vit toi, hein, ma belle. Comment on appelle cela? Le clan là, c'est quoi encore là? Hein? N'est-ce pas? De l'odeur en bas comme ça, après nous autres on monte. Nous sommes en hauteur. C'est une très belle vue. Hein? La cité administrative de l'odeur, c'est très beau. Si on entretient ça et tout ça. Moi, j'ai les montagnes, non. Tu crois que je ne suis pas dans les montagnes, Dion? On monte, bon, bire. Vibire, vis le gars, le l'odeur. Vis le gabi cuit. Vibire quoi? Vis le gabi. Mbango, nien tchien, non. Bango est en bas. Mbango, c'est chez les boulots là-bas, c'est en bas. Vivi Bire, vis le gambango, vis le gabicui. Oui, oui, moi aussi j'ai une langue maternelle que je parle de temps en temps. Govayang, c'est chez ma grand-mère, ma grand-mère maternelle. Mais il y a des grottes chez nous, pardon, excusez-nous. Et nous, on ne va même pas se serrer. On ne va même pas se serrer, voilà, et bilai. C'est ça qui est ça. Donc, continue à tester le diable. Continuez. Surtout ceux qui n'ont plus de village là, qui sont en ville. Allez la famille. Bibala, bibala. Je me sens à nouveau oppressé. Hein? Je me sens à nouveau oppressé. Ça veut dire qu'il y aurait un rebondissement chez nous là. Même ce que je ressentais avant la crise des taux là. Mais moi je suis prête. Hein? Je viens seulement vous réveiller. C'est que... les gars, Kabambango, ça me dit rien. Comme il y a des problèmes de réseau chez nous, la matière va souvent appeler un bango. C'est quoi 6 km? Non, je crois. Bon, bref,
C'est complexe dans le sud là, c'est pour ça que je dis souvent à nos frères là que quand vous dites que vous voulez aller combattre des personnes à des kilomètres, chez nous là-bas d'abord c'est le lait. C'est le lait. Hein? Lolo, Lengumba, vous allez en Bangola, ou même Bibia, 6 km, les femmes, Bango, les boulots, les Zewondo sont à. Attendez que vous sortez ça. C'est bien de parler de notre géographie pour que les gens comprennent que ce qu'ils sont en train de faire là ne va pas être possible si on arrive même à installer ça. Bango, bitoué. Ah, bitoué, bien au bon Bango. Mais il y a aussi les boulots, non? Il y a aussi les boulots. La deuxième femme de mon grand-père est boulot, non? Et son village, elle est en Bango. Son village est en Bango. Donc, si les gens se sont installés comme ça et ont réussi à rester dans leur position sans grande guerre, vous imaginez bien, non? Lambi, Mvumbo. Olambi Mvumbo. Des Zewondo de Bikoka chez Atebayene. Mvenge. Des Zewondo chez le général Semenge. Allons, citons les grands visages du 237 là. Vous allez voir comment on se marche dessus, dans le sud, hein. Du moins du côté de l'océan là-bas. Vous allez voir, Mbalmayo là-bas, Ebolo va là-bas, c'est plus. Il y a les fangs, il y a les boulous. Il y a... Mais chez nous, là, là, du côté de l'océan, Maman Sarah, c'est quasiment la promiscuité chez nous. T'es encore là? Non, je suis déjà partie. On va arbitrer les matchs. Hein, ça va aller, on va arbitrer les matchs. Hein? Comment on appelle? Gamba Lutsiri était d'où? Mvenge. Il est de Mvenge. Mvenge est à combien de kilomètres de chez moi? Et quoi, 16 kilomètres? Que je ne dise pas de bêtises. Bon, ils disent, là, on dit que l'Holodorf, il y a 27 villages. 27 villages de la commune sont regroupés en 4 chefferies de canton de deuxième degré. La chefferie du canton Goumba, centre, qui regroupe les villages Bikui. Donc Bikui, c'est l'Holodorf. Big Bali, 1000. Sabali, Kwamboué. Oh, mais ça, il y a l'orthographe ici pour lire ça, si tu l'as Goumba. Kwamboué, 1. Kwamboué, 2. Mbango. Mbango Bitoué, donc c'est Mbango du côté Ngumba. Hein? Mbango. Ngumba. Il y a Mbango Bitoué et Mbango Ngumba. Bon, bref. Kaba. Mvoresson. Ngoy. Ngoyang. Je connais pas. Mandong 1, Mandong 2. Et Kumbizi. La chefferie du canton Ngoyewondo. Bibondi et Bikoka. Le canton Fangboulou, qui concerne les villages Mbangoboulou. Donc il y a 3 Mbango. Il y a 3 Mbango alors. Mbango Bitoué, Mbango Boulou et Mbango. L'autre Mbango, c'est quoi? Mbango Ngumba. Bitoua Baba Lemfumbo. Ok, c'est vraiment hein, se pencher là. Je n'ai pas la tête à nous pencher dessus. Donc, le canton Fangboulou, qui concerne les villages de Mbango Boulou. Mangouma. Comment ça, Mangouma? Donc, on est tellement mélangé. Ben, il y a l'Ngumba Mangouma, non? Bon, bref. Mvoresson Bibia. Chez mon père, qui en est chef, je précise. Gandongo, oui. Alexandre Timothée, c'est mon père.
Oui. Quand vous allez vouloir me manger. Mangouma Paris, Bilal voit. Ngovayang 1, Ngovayang 2, Ngovayang 3. Donc, il y a en 4, il y a la chefferie du canton Ngumba Sud, avec les villages de Bikala. Ma grand-mère était de Bikala. Tu es de Bikala? Ma grand-mère était de Bikala. Hein? Bikiliki, c'est qui? Je connais pas. Mugo. C'est écrit ici Mugo. Mais nous disons Mugo. Bingambo. Mvile. Cette chefferie qui s'étend sur 4 villages de la commune de Lolof à son siège en Usman Bipindi. Voilà. Et la Bibipindi là-bas, au Bibikia. Outre le Lolof et ses quartiers, la commune comprend les villages suivants. Bibia, Bibondi, Bikala, Bikoka, Bingambo, Kaba, Kumbizik, Mandong, Manguma, Mbango. Bikiliki, lui c'est qui? Jamais entendu. Malang, nous disons Malang. Et chez les Malang là-bas, vous êtes déjà chez les Ewondo. Oui, chez les... Ah oui, bon, c'est vieux ça. Chez les Charles Ndongo. Ma grand-mère avait élevé Charles Ndongo, le petit impertinent là, et son frère. On dit que là-dedans, nous sommes d'un tenant. Quand tu vas vouloir aller manger dans une maison, prends une petite fourchette. Tu peux te retrouver là-bas en train de planter ta fourchette dans la chair de ton frère et ta soeur. Mille. Mouret. Mville. Ngoyang. Ngoyang. Kouamboué, la façon d'écrire ça, c'est la sorcellerie seulement. Donc, voilà. Dans les personnalités, il y a même personnalité dans ça. Ah, son, c'est aux frontières de Bipindi. Eh, il parle de personnalité. Hein. Et ça, ma petite Pierre, proviseur des lycées et cadre de la région du Sud. Ah bon, Christian Samba. Universitaire, éditeur, homme de lettres, Lolé, c'est qui ça? Nkoutang, chef traditionnel lors de la colonie allemande. Samuel Mikiombamba, compositeur de l'hymne national Chouette Bidule. Pierre Mansouet. Premier bachelier camerounais. Quand vous dites souvent que l'école est arrivée par nous. Pierre Semenge, né à Bikoka, premier général de l'armée camerounaise. Jules Doré Ndongo. Qui? Wungli Masaga, René Nguo, Wungli Masaga, commandant Kisamba, homme politique. Ibrahim Zie Nzwango, révérend pasteur. EPA 1934. Ebenezer Wungli Masaga, révérend pasteur. Annie Anzoué, chanteuse. Anne-Marie Nzié, chanteuse. Cromwell Nzié, artiste musicien. Frère de Anne-Marie Nzié. Emmanuel Gamba Loutiri. Mon oncle par alliance. Oui, il vous dit que nos familles sont d'un tenant. Ah. Trop de parenté, c'est tellement petit que Charles Pythagore Ndongo, journaliste, petit impertinent. Charles Atebayene, chercheur né à Bikoka. Long Jean-Félix, premier agrégé du Cameroun. L'école arrivait par nous. On n'a même pas cité tout le monde là. On n'a pas cité tout le monde là. Dans les langues Bijoka. Pourquoi ils ont écrit ça comment là? Je comprends pas. Le Fang, le Wondo. Le Kola. Quand ils disent Ngel, c'est quoi? Bogel. Quand ils disent c'est quoi Bogel? Quel Bogel? Hmm?
l'amiral Guillaume Nguangale. Ben voilà le genre de forum que nous devons faire, là pour apprendre l'histoire, pour pas se regrouper pour faire la sorcellerie. Hein? Pas se regrouper pour faire de la sorcellerie. Govayan. La mission catholique de Govayan. Notre pays est riche, hein? Mais hélas, nous avons décidé de nous taper dessus. Le maire de Vépindi, c'est un ancien collègue à ma mère, hein, M. Bilon. C'est un de mes tontons. Et il a aussi, il a dû prendre, il doit avoir ouais, entre 65 et 70 ans aujourd'hui. Hein. Il dit que le pays là, notre pays là, nous sommes là d'un tenant. Mais il y en a qui ont décidé de faire la sorcellerie. Il y en a qui ont décidé de faire la sorcellerie. Allez. Tu maîtrises le coin là. Ah, moi je suis allée deux fois le Dorf et une fois au village. Ben maintenant il y a la route. Nous sommes à quoi? 2h, 2h30 de Yaoundé. Allez la famille. Deux cent quarante-huit kilomètres de Douala et 187 de Yaoundé. Ici on dit l'holodorf en bref, et l'holodorf c'est pas grand, hein? L'holodorf c'est pas grand. Il n'y a que 5 auberges. Créé en 1890 par les Allemands, administration française dès 1956, l'année de naissance de ma mère, c'est ça? Non, ma mère est née en 53. Administration camerounaise depuis 59. Superficie 1200 km², population 20 000 seulement. Ouputa. Groupe ethnique Ngumba et Wondo. Fang, Boulou, Pygmé, Bagiel. Ben, il y a une différence entre Bogiel. Parce que nous nous disons Bogiel. Bogieli. Bogiel. Ah, Pygmé Bogiel. Ah, Ngumba Bolena Bogiel. Donc, ce sont les Pygmés. Communauté Bamileke et Aoussa. Donc rien qu'à l'Holodorf là, c'est pour ça qu'ils disent souvent que les gars qui disent bagarrement là, on va faire comment non? On va faire comment? Allez la famille. Soyons fiers de notre pays, mais sans animosité. Ce sont des histoires qui appartiennent à l'humanité. Tu parles quoi là? Tu parles ma gueule, Béa. Au masculin, au non, au singulier, c'est Nguel. Un pygmé. Nguel. Bogueli. Bon, si tu veux, tu mets le lit à la fin. Mais nous sommes les gens de la ville. Bogueli. Bogueli. Les pygmés. C'est pas ça. Bogueli, c'est au pluriel. Nguel. Et ces personnes-là sont plongées dans l'alcool aujourd'hui. C'est terrible, hein? C'est terrible. Là, dit le pays là laisse mourir des minorités. L'alcool. Oh. Et ces personnes sont exploitées par des bantous. C'est terrible, hein? C'est terrible. Allez, la famille.
Bibala. Bibala, bibala. Seule la lutte libère, ça c'est certain. Allez, on se dit à demain. Thibaut, tu cuisines?